Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière avec ma petite sœur que vous avez déjà vue dans de précédentes vidéos. Elle a un petit peu hésité à me dire oui pour cette vidéo parce qu'il s'agit du tag avec les Jelly Belly. Donc pour toutes celles qui ne connaissent pas, c'est des bonbons qui ont des goûts d'un côté bon et de l'autre côté dégueulasse. Donc pour une même couleur, vous avez un goût bon et un goût dégueulasse, du style chaussette pourrie et tutti frutti. Et donc le but du jeu, c'est que j'ai tout mis donc, dans une petite coupelle comme ça. Donc il y en a deux de chaque couleur. C'est qu'on tire au sort une couleur, donc chacune en même temps, qu'on la mange en même temps. Et voilà, de voir la réaction de celle qui a le mauvais goût. Donc parfois ça arrive qu'on ait toutes les deux un mauvais goût, ou alors qu'on ait toutes les deux un bon goût. Donc voilà, ça va être vraiment le hasard. Donc ben, on va commencer tout de suite. Je vais te laisser l'honneur de piocher la couleur que tu veux. Tu prends la même couleur que moi? Ouais. Ben noir. Alors noir, je vais vous dire ça tout de suite ce que c'est. Je crois que c'est vraiment pas un bon. Alors c'est soit paix de putois, soit réglisse. Donc vu que je n'aime pas le réglisse, moi non plus, donc dans tous les cas ça va pas être bon. Aussi j'ai oublié de préciser, le but du jeu c'est vraiment de le manger. Il faut vraiment voilà, qu'on arrive à le manger même si c'est dégueulasse. On a quand même pris du papier pour cracher au cas où, et de l'eau si vraiment c'est vraiment infect. Mais voilà, le but du jeu ça va être de les manger. Donc bon bah c'est parti, on va chiner. 1, 2, 3. Faut croquer hein. Ah j'ai réglisse. Ouais, moi j'ai l'autre. Moi j'aime pas le réglisse non plus, donc c'est quoi? Paix de putois. Moi j'aime pas du tout le réglisse, alors c'est même horrible pour moi. Non, c'est pas bon. Et encore, c'est pas le pire, je pense. Oh non, il y en a, je crois, qui sont vraiment pires. Parce que je sais pas comment ils ont fait pour reproduire un paix de putois, mais. Ouais. Honnêtement, ouais. Voilà. Ils collent en plus ces bonbons. Ouais. J'en ai plein. Non. Là j'ai quand même envie de boire. Non, faut essayer de respecter les consignes au maximum. Et je pense que là, là c'était un des moins pires, on va dire. Moi, on va prendre un au hasard. Celui-là. Tiens, c'est lui. Alors celui-là, parce qu'il y en a deux ou trois qui se ressemblent un petit peu. Alors c'est soit fromage pourri. Soit caramel corn, c'est ouais, popcorn au caramel. J'espère que le fromage pourri, ça doit être dégueulasse. J'ai encore le goût du réglisse dans la bouche. 1, 2, 3. Non, j'ai popcorn. Ouais, fromage pourri. C'est dégueulasse. Le popcorn, il est vraiment bon. Oh, c'est dégueulasse. J'aime pas, en plus, j'aime pas le fromage fort. J'arrive pas à le mâcher. Allez, avale. Et après, on fera dans le sens inverse. Ça veut dire parce qu'il en reste dans la boîte. Pardon. Voilà. Ah, ça y est. Il en reste dans la boîte. Et il y en a qui avaient en plusieurs fois. Donc, si jamais. Il y en a une de nous deux qui est pas tombée sur un bon goût. On repiochera dedans. Ouais. Alors, ouh, ouh. Perdu le vert. Hop, vas-y. Le bleu. Le bleu. Je crois que le bleu c'est un des meilleurs qui est. C'est soit dentifrice, soit berry blue. Oh, ça va être bon, je pense. Ça va. Ouais, ça peut aller, je pense. On va se nettoyer un peu les dents. Berry blue, ça a quel goût? Ah, j'ai dentifrice. Non, moi j'ai berry blue. Ah, ah non, j'ai le dentifrice. Non, c'est moi. Ah, moi j'en ai aussi. Ça a le goût. J'ai vraiment du dentifrice. J'ai l'impression de laver les dents. À la menthe, ouais. Vous savez les dentifrices quand on est enfant, non? Ouais. Voilà. Ensuite, alors, à mon tour. Celui-là, mais je sais qu'il est dégueulasse celui-là. Pourquoi? C'est quoi et quoi? C'est soit. C'est bouffe pour chien. Oh. Ou pudding au chocolat. Bouffe pour chien. J'ai pas envie. Moi c'est laver les dents juste avant. Putain, les odeurs, les goûts, ils restent dans la bouche. On sent rien. On sent rien. Ah, vas-y. 2, 3.
Ah, oh, allez me fourcher un... Les puddings au chocolat. Oh là là, c'est moi que je trouve sur les dégueulasses. Oh putain, il infecte. Oh. Moi par contre, j'ai vraiment le goût du chocolat dans la bouche. Oh putain, c'est dégueulasse. Ça a vraiment le goût du chocolat du... Ah putain, t'as la même. Oh, t'as vraiment la même non plus. Vous savez, vous regardez, vous osez pas mâcher plus parce que c'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. Oh. 1, 2, 3. Ah. Oh putain, ça affecte. Je sais pas comment ils ont fait pour reproduire les goûts, mais. C'est moi qui ai pioché là ou c'est toi? C'est moi. Putain, c'est dégueulasse. Moi je prends. Il y en a un autre que je crains dedans. Parce qu'ils ont l'air grave bizarres. Alors attends, c'est lequel? Parce qu'il y en a deux qui sont un peu similaires. C'est eux. C'est lui? Non, c'est lui ou c'est lui? Non, c'est lequel lui? C'est lui, un popcorn, je crois. Et alors pourri. Voilà. Je crois que c'est... Ouais, c'est lui. Ouais, et ça, c'est l'autre, ouais. Mmh. Bon. Ah, pourri aussi, ça va être... Ouais. Ah, j'espère que c'est toi qui va tomber dessus, hein. Mais parce que moi, je connais mauvais goût. Chin. Encore le goût dans la dent. 1, 2, 3. Ah! Moi j'ai le beau. Moi aussi. Mais c'est pas popcorn, non? Non, c'est fruité. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vachement bon. Moi, ouais, lui il est bon. Ouais, putain, ça veut dire que là-dedans il y a un fruit. Mmh. Il est bon lui. Il est fruité. Toi aussi, t'as celui-là? Ouais. Ouais. Mmh, il est super bon. Je sais pas ce que c'est, mais. Mais lui il est bon. Mais ceux qui sont bons, ils sont vraiment bons par contre. Ouais. C'est vrai qu'il est bon. Bon alors après un bon et pas bon. Mais par contre c'est un peu chiant parce que ça reste coulé dans les dents. Tu veux prendre orange? Orange. Alors, c'est vomi ou pêche? Oh. Vomi ou pêche? Putain, il est vachement bon celui-là, mais je sais pas. Ouais. Mais du coup, je sais pas ce que c'est. Bon, tant pis, mais c'était super bon. 1, 2, 3. Ah! Allez, la fête! Oh putain, c'est bon! Il affecte. Ah, je te jure qu'il me donne envie de vomir. Vous savez, c'est pas quand vous. Ah, j'arrive pas à le mâcher en fait. Vous savez, c'est quand vous avez vomi, mais pas le vomi normal. Non, lui, il est dégueulasse, je sais pas. Ah, il est dégueulasse, fou. Ah, je peux voir. Non, faut pas voir. Tu l'as avalé, ça y est? Ouais. Ah mais il est vraiment pas bon. Moi j'arrive pas à le mâcher. Ah bah moi j'ai pas appris, à la fin j'ai plus mâché. Oh c'est affreux. À la fin j'ai avalé, c'est pas bon. Oh putain c'est dégueulasse. Ah je crois que c'est le pire. Oh putain c'est le pire. En plus le goût il reste dans la bouche. Mmh. En plus on en a eu deux pas bons. Ah oui c'est le pire. Il est vraiment lui c'est pas le bon. Pire, c'est dégueulasse. Tant mais on est folle de faire un jeu comme ça. Il est vraiment atroce. Ah j'arrive. Bon, moi je sais qu'on prenne le rose. J'ai l'impression que je suis blanche. Ça y est. Prends le rose. Alors le rose, c'est chaussette puante ou tutti frutti. Putain, tutti frutti doit être bon. Ouais, tutti frutti. Ils ont pas les mêmes taches. Moi il y a beaucoup plus de taches. C'est un signe. 1, 2, 3. Ah, j'ai tutti frutti. Oh. Ah non, j'ai chaussette qui pue. Ah, moi, il est super bon. Tu peux voir? Ah.
toi. Moi, il sent vraiment le bonbon au multifruit. Je crois qu'il est encore pire que le vomi. Non. Est-ce que vous l'autorisez à boire? Elle en a enchaîné deux d'affilée, on va l'autoriser. Moi, ça régale, c'est super bon tout ce côté. Ah non, il est vraiment pas bon. Mais de toute façon, même l'eau, ça fait pas disparaître le goût. Ouais. Honnêtement, ouais, il est vraiment super bon, tutti frutti. Là, il y a encore des morceaux. Hein. Moi, je me suis bien laissé macérer tutti frutti partout dans la bouche. Merde. Bon, il y en a plus que trois. Le vert. Alors là, c'est bizarre parce que c'est crotte de nez ou jus de poire. Alors je sais pas quel goût ça a, une crotte de nez, mais. Je sais pas, mais ça doit être dégueulasse. Bon, merci. Allez, chin. 1, 2, 3. Ah, moi j'ai un goût dégueulasse. Je te jure, j'ai crotte de nez. Moi aussi. On a eu plusieurs fois le même deux dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça passe. Non, après deux qui sont pas bons, le troisième il passerait moins. Je trouve qu'il est pas bon, mais c'est. Bah, t'as ça vraiment, passe. T'as vraiment, je sais pas, ouais. J'ai jamais mangé. Je sais pas, je pense que ça doit avoir ce goût. En tout cas, ça a pas le goût de toi. C'est dégueulasse. Mais comparé à vomir. Ouais, non, comparé à ça, ça. Et bouffe pour chien. Alors... Mais c'est vrai que c'est pas très bon. Mais je sais pas comment ils ont eu l'idée de reproduire le goût d'une crotte de nez. Il y en a un qui a dû en manger. Alors, moi je te conseille qu'on prenne les blancs parce que les deux autres, je crois que c'est ce qui passe mieux. Bah, vas-y. Les blancs, c'est lingette. Non, moi je veux le tien. Tiens. Voilà. C'est pas ça va porter pas ça va porter malchance. C'est lingette pour bébé ou noix de coco. Oh, lingette pour bébé, ça sent bon. Oui, mais j'espère que c'est une lingette pour bébé neuve, pas usagée. 1, 2, 3. Là, c'est quoi? Noix de coco. Noix de coco. Bon. Alors, moi j'ai lingette pour bébé. Usagée? Non. Ça sent le. Ça a le goût du savon. Du parfum. Du parfum. Ah, ça. Ah ouais. Ah, mais ça a vraiment l'odeur en plus. Ça a vraiment l'odeur du parfum. Ouais, ouais. J'ai l'impression de manger du parfum. Voilà, quand tu m'as fait ça, c'est l'odeur d'une lingette quand tu la prends. Ouais. C'est pas mauvais. Bah, heureusement que j'ai pris le tien quand même. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Moi, bon, c'était bon, notre coup. Bah, la lingette, ça va, ça passe, mais. Et là, c'est quoi? Alors, ça, c'est pelouse tondue gazon. Ouais, j'espère que j'ai. Ou citron. J'espère que c'est pelouse tondue, ça doit être bon. On a tous déjà mangé de l'herbe quand on est petit, quand on tombe ou quoi. Mmh. Bah, moi, oui. 1, 2, 3. C'est du citron vert, je crois. Ah, j'ai citron vert. Moi aussi, j'ai citron. Mais c'est un super bon citron. Hein. Mmh. Ça me fait rappeler un goût, ça. Ah, les sucettes choupa choups, c'est la pomme. Ah ouais, pomme, citron, ouais. C'est le même goût. Ou coca. Je sais pas, mais c'est acidulé comme. Tu sais, les sucettes. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le goût des bouteilles de coca là. Ouais. Ouais. Bon. Il nous en reste quelques-uns. Je sais pas si on les fait ou. Oh non, il y en a trop. Ouais, il en reste beaucoup. Je les ferai goûter à. À d'autres personnes, je crois qu'on a une autre dose quand même. Ouais. De trucs pas très bons. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de revoir ma petite sœur dans une autre vidéo, parce qu'on a prévu de faire une autre vidéo un petit peu particulière aussi, n'hésitez pas à exploser les likes. N'hésitez pas également à commenter sous cette vidéo, ça nous ferait vraiment énormément plaisir. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.